mardi 19 février. Voici ce qu'on surveille pour vous dans votre info web. À Mont-Saint-Hilaire, les petits âgés de 6 à 24 mois pourront participer à l'activité Doudou et Comptine. Chansons, histoires et bien sûr comptines seront au rendez-vous. Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents. L'école Georges-Étienne Cartier à Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la recherche d'une personne qualifiée pour offrir un service d'aide aux devoirs deux fois par semaine de 15h15 à 16h15. Pour connaître les prérequis nécessaires, consultez le bulletin municipal La Gloriette. Vous pouvez envoyer votre CV à l'intention de Lisanne Landry, directrice de l'école. Toujours à Saint-Antoine-sur-Richelieu, vous pouvez inscrire votre jeune à l'équipe de soccer pour l'été. Carte d'assurance maladie et photos de votre enfant seront requis lors de l'inscription. Nouveauté cette année, les enfants auront des chandails identifiés à leur nom. Le service des loisirs et des sports est également à la recherche d'entraîneurs et d'organisateurs de tournois. Le comité consultatif de la circulation et de la sécurité routière de Carignan est à la recherche d'un citoyen pour compléter son équipe. Le comité fait des recommandations pour maximiser la sécurité des usagers du réseau routier dans les rues de Carignan. Le comité se réunit une fois par mois. Vous pouvez envoyer votre CV accompagné d'une lettre d'attention à François Rioux, directeur des travaux publics, avant le 22 février. À surveiller ce soir à la programmation de TVR9, 17h30 dans la vallée et 19h30 parole d'auteur. Sur ce, on se retrouve demain pour un autre InfoWeb.